Les lacs du Connemara, de Michel Sardou, est sans doute son plus grand succès. Et peut-être que vous ne supportez plus de l'écouter en fin de soirée. Ou au contraire, cette chanson est un incontournable à vos yeux. Mais pour la chanteuse Juliette Armanet, la réponse est claire, l'entendre est motif de départ à une fête. Interrogée par le média typique de la RTBF, la chanteuse a été interrogée sur la chanson qu'elle ne peut plus supporter en soirée. « C'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément », indique l'artiste. Elle explique, le côté scout, sectaire, la musique est immonde. C'est de droite, rien ne va. Mais depuis cette séquence, partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, Juliette Armanet fait face à une déferlante de haine. Certains l'accusent de s'attaquer à un monument de la chanson française. Pour rappel, le titre date de 1981 et a été pendant très longtemps numéro 1. Michel Sardou est une figure de la droite conservatrice française, des positions avec lesquelles Juliette Armanet ne semble clairement pas d'accord. Il n'en aura pas fallu plus longtemps à droite et à l'extrême droite de s'attaquer à la chanteuse. En exprimant son dégoût pour « Les lacs du Connemara », Juliette Armanet insulte bêtement les millions de Français qui aiment les chansons de Michel Sardou. Écrit Nicolas Dupont-Aignan. Quand elle aura le tiers du quart du répertoire et du talent de Sardou, elle pourra peut-être la ramener, écrit Caroline Parmentier, députée du Rassemblement National.